drums of the east. Paralyzed and possessed by crusaders' deceit. Lost to the sirens, a call from the turbulent tide. Et bonjour à tous! J'espère que vous allez bien sur Myum TV 2. On est chaud aujourd'hui, déjeuner léger, midi 14h. C'est le dernier de la semaine, les amis! Et ouais! Allez, salut, salut, j'espère que vous allez bien. Un super t-shirt vert aujourd'hui. Oh, 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 oh. J'espère que vous êtes motivés. Lège, pendant 2 heures, on va faire de la solo queue, on va aussi écouter de la musique. Les amis, Justice Civilisation, on l'a ajouté hier. J'espère que vous êtes tous très, 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 très chauds. Bonjour à Pony Underscore, bonjour à Sativa, bonjour à Mune Underscore, à Kainato, bien sûr, qui est OP sur IRC aujourd'hui, à Paradox Underscore, à Atit, Hatch, Abouda, Mr. Nab, Animal Delta, Dave 360, Nairi, Tufima, Motlight Underscore, Slowly, Lame, Draken Olvicia, bref, vous êtes énormément et ça, ça me fait plaisir. Pour commencer ce déjeuner léger, vous le savez, c'est la petite tradition, vous allez choisir la playlist qu'on va écouter aujourd'hui pendant 2 heures. C'est juste en dessous du lecteur sur myum.org, il n'y a plus que 60 secondes pour voter, donc dépêchez-vous. Il n'y a même pas 200 votes, il n'y a même pas 200 votes, donc dépêchez-vous. C'est lamentable, voilà. Je vous le dis directement, premier coup de sonnette, vous êtes averti. Premier avertissement pour vous, faites très attention à dès à présent. 52 secondes encore pour voter. Énormément de playlists différentes, les métalleux, les tubes de l'été, le rap, le de Disney. Tiens, Disney, eh ouais, les petits films de Disney, ça pourrait être sympathique pour faire un petit blind test ou quoi que ce soit. La pub, les séries, les génériques télé, les top sons, jeux vidéo, Legendary, Cartoon Cell, Cinéma, Thème, le rock, c'est approuvé par nos scientifiques, les musiques de League of Legends. Bref, vous avez énormément de choix, il n'y a plus que 25 secondes, dépêchez-vous. Je suis une faugère aujourd'hui, oui, peut-être, à cause de la couleur du... Oui, d'accord, ok, je comprends. Non, moi j'aime bien le vert. Je trouve que c'est classe le vert comme ça. Le vert, le couleur de l'espoir, mais aussi une autre couleur, c'est la couleur, oui, bah, de l'herbe, évidemment. Donc c'est pour ça que je suis une faugère. Bon, on va directement partir pour une petite game. Le QCM est terminé maintenant. 462 votes. Merci quand même de ne pas avoir autant slacké que j'avais prévu. Et nous avons un gagnant aujourd'hui. Nous avons un gagnant. Attention. C'est le top son jeu vidéo, comme il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc on va partir sur cette playlist. Oh yeah! Et ça, ça fait plaisir. Allez, bougez la tête avec moi. Je sais pas qu'est-ce que vous faites actuellement. Est-ce que vous êtes en train de manger déjà? Il est midi 11. Est-ce que vous êtes chez vous? Est-ce que vous êtes à l'université, à l'école, au collège, au lycée? Je ne sais pas. Êtes-vous peut-être professeur des écoles et vous slackez entre midi et deux pendant la petite pause repas? Peut-être êtes-vous comptable? Peut-être êtes-vous chômeur? Et là... Ben là, vous avez le temps pour regarder la Myum TV 2. Et merci à vous, merci à tous les chômeurs et à tous les routiers, bien sûr, qui nous regardent. On va bientôt partir pour une petite game de League of Legends. On regarde juste la ligue dans un peu... Ouais, un petit instant. Ah merde, 45 points dans la ligue. On n'a pas augmenté, on n'est pas baissé trop. Non. On se stabilise dans cette ligue, dans ce Gold 2. Mais bon, il faudrait quand même faire des petits matchs de promotion, arriver Gold 1 et passer Platinum. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une bonne idée. Ouais, vous avez envie. Moi aussi, j'ai envie de passer Platinum. Oh là là, Steely as she goes de The Raconteurs. Non, on va les couper, évidemment. Et on va mettre la playlist que vous avez votée, pour laquelle vous avez voté. Il faut que je la retrouve, par contre. Alors, attention, parce que c'était top son jeu vidéo. Alors, top son jeu vidéo, je vous rappelle que je galère à chaque fois pour vous mettre la bonne playlist, étant donné qu'il y a plus de 60 playlists sur mon groove Shark. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. Donc là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Alors, je regarde, c'est bon. Avec, bien sûr, petit Mario Bros. Ça va être sympa. Allez, première musique. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah. Regardez, moi, je le vois. Vous le voyez aussi? Bon, bah, vous avez trouvé, oui, c'est en dessous. C'est facile, maintenant. Ça, c'est facile, évidemment. Est-ce que je peux avoir la... l'URL du groove Shark? Eh bien, je vous la mets sur IRC. Hop, directement, M entre crochets studio.
M entre crochets studio, c'est mon AK sur IRC, je suis OP, si vous voulez me poser quelques questions, c'est sur cet AK qu'il me faut me les poser. Et nous avons déjà quelques petits messages qui viennent de Bob sur IRC. Merci, ça fait plaisir. Joli ton père du pyjama vert avec le petit caribou. Merci bien, petit caribou très sympathique. Je suis institutrice, merci de penser à nous et surtout de me faire passer un agréable moment. Miss Sophia qui me dit ça. Eh bah, Miss Sophia, pas de problème, hein, c'est pour ça. Moi, je travaille pendant que les autres slack, aucun souci, vous mangez, moi je ne mange pas. J'ai faim, vous, vous mangez, vous avez faim. Vous avez bien raison, mais moi je ne mange pas et pourtant j'ai faim. Ah, ça c'est un problème. On est dans une game, comme vous pouvez le constater. Je sais pas, je vous ai pas mis le lobby. Ah, regardez. Nous avons un first pick du côté de notre équipe avec la personne de Graves. Assez étonnant comme first pick, comme vous pouvez le signaler. Comme vous pouvez le voir, nous avons un Moumoua, Kali, Malphite qui ont été ban de notre côté. Shen, Kha'Zix, Kayle de l'autre. Bon, ok, ok, c'est des bons bans, y'a pas de soucis. Y'a pas de ban, y'a pas de ban de Elise. Donc ça c'est un petit peu dérangeant tout de même. Une ban de Elise quand même, c'est assez fort Elise en ce moment. Pas de ban de Renekton, mais on n'est pas en compétition. Pas de ban de TF, alors que ça pourtant en solo queue, je vous conseille vivement de ban TF, un héros qui peut faire le café à 100%. Un peu comme Lux, même si c'est pas la même playstyle, même gameplay. Avec quand même le café. Alors est-ce qu'on va prendre un petit Panthéon, mais je ne sais pas. Ouh, Ekawim dans la jungle, a woman, et le canasson là. Il va aller vraiment vite, quoi. Elise is free, nous dit Tuonis. Qu'est-ce que je peux prendre? Alors, Elise, Panthéon, Fizz, dites-moi un petit peu sur RC dès à présent. Je prendrai un de ces trois héros, Panthéon, Fizz ou alors une petite Elise. Dépêchez-vous, 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 dépêchez-vous. Je vois un Elise, je vois un Fizz, deux Elise, beaucoup d'Elise, beaucoup plus d'Elise. Donc, on va partir sur la reine araignée. Ouais, stop! Oh là là, alors qu'est-ce que j'ai déchaîné sur IRC, encore une fois, regardez-moi ça. Oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, Mass Fizz, là, tout d'un coup, Mass Fizz. Dommage. Panthéon, regardez, c'est marrant parce que les joueurs d'Elise étaient beaucoup plus réactifs au début. Puis après, il y a eu les joueurs de Fizz qui étaient là. Ah non, le poisson. Et les mecs de Panthéon, les soldats de Panthéon qui se sont réveillés un petit peu ici. Bip Killer, Gauthier, Jugurat, Gauthier qui a spammé un petit peu. Et Bubu qui était là aussi. Bon, d'accord, on fera peut-être une petite Ellie, petit Fizz tout à l'heure. On va voir comment ça va se passer. Allez, donc Elise avec TP, non, c'est négatif par contre. On va prendre une petite Ignite, on va prendre, on balance les boules, pénétration magique en rouge, armure en jaune, puissance en quintessence, puissance au niveau 18 en bleu. Et nous allons avoir une Karma peut-être. Karma. Faut les balls ou pas les balls? Les balls. 21-9-0, ça c'est négatif aussi. On va partir en 9-21 avec le Kourou d'invocateur, donc l'Ignite amélioré, la pénétration magique, le savoir arcanique, on est d'accord. Le 21e point en défensif. On prend donc le rempart, on prend l'armure renforcée et on va prendre peut-être un petit point dans inépuisable ou alors dans quelque chose d'autre. Je sais pas encore exactement qu'est-ce que je vais pick. Est-ce que je pourrais enlever quelques points là? Je peux pas enlever de points ici. J'ai juste ce point là où je peux mettre un petit peu où je veux. En face, on a un petit peu de ralentissement avec la Lux, avec le Xing Zhao aussi bien sûr. Ça stun du côté du Jax et je serai contre le Jax. Il y a du slow avec la Caitlyn aussi avec son E. Bon, allez, on va garder le petit point. De toute façon, c'est pas ça qui changera la game. On est d'accord. Vous êtes sur RC, vous pouvez venir encore plus nombreux, les amis à droite du lecteur sur medium.org. Venez sur IRC, sur le bon chat, c'est Diez Minimum 2 sur le serveur QuakeNet. Venez vous moquer de mon pyjama aujourd'hui, même si ce n'est pas un pyjama et que je l'ai payé les yeux de la tête. Voilà, c'est juste pour vous prévenir que le mouton de ce pyjama est évalué actuellement à 4 chiffres. Voilà, déjà, à partir de ce moment-là, on peut dire que le pyjama coûte cher. C'est vrai. Allez, quelques petites questions. Nous avons une petite question de Gay Dance. L'ai-je président? Très bien, Alisiade qui est là. Es-tu une chèvre? Non, une chèvre, les chèvres ne sont pas vertes. Est-ce que je me peux renvoyer le Groove Shark? Je te le mets directement dans ton query. Bonjour, est-ce qu'il y aura un stream de l'aide dans Joue Game? Nous demande Finger. Oui, mais on se fera des DOS et on fera planter toute la LAN, donc vous ne verrez pas l'Anjou Game. Mr. Nab, salut Lèche, depuis quand joues-tu à LOL parce que je trouve que tu as pris beaucoup de niveaux? Je joue depuis 8 mois exactement à League of Legends, à ce magnifique jeu.
et je ne fais quasiment plus que ça. C'est-à-dire jouer à League of Legends, je ne joue quasiment plus à aucun autre jeu. Football Manager, Civilization 5, bah encore un petit peu, mais quand j'ai le temps. Voilà, parce qu'il faut que j'augmente mon niveau sur League of Legends, il faut que je comprenne encore mieux le jeu pour pouvoir mieux shootcast après la saison 3 par exemple. Donc je me concentre vraiment sur League of Legends, puis après les autres jeux, on fera plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Allez, petite page de publicité, on se retrouve dans un petit instant. Ça me fait plaisir, je sais pas, ce jeudi-là, je sens, ça pue la win. Ça pue la win. Une petite page de publicité, 1 minute 30, on revient dans un petit instant. Profitez, bien sûr, de la bande... la bande annonce du film Hansel et Gretel qui est actuellement une publicité de Millennium. Allez sur Millennium, allez regarder cette publicité, ça nous fera gagner de l'argent. Merci à vous, au revoir, à dans une minute. À dans une minute. Sub-Zero, Mortal Kombat, ça c'est de la playlist, le top des sons des jeux vidéo, les amis. Et ouais, on est déjà dans la game, c'est incroyable. On est en train de partir de la fonfon. Et on va build quelques items. On va prendre bien sûr une fiole. Et on va prendre une petite pote, une petite ward. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir poke son adversaire top lane. C'est Jax. C'est Jax, je vous rappelle. Et nous avons deux barrières en face. Donc attention au bait. Lux et Caitlyn. Xing Zhao dans le jungle avec bien sûr le smite. Nunu en bot lane avec Exhaust. Et Nunu qui a un carry AD. Qui a un carry AD. Pas du tout. Pas du tout. Alors est-ce qu'il a un arc? Est-ce qu'il a un fusil? Est-ce qu'il a un bazooka Nunu? Donc non, ce n'est pas un carry AD. Il a des petites papates. Et il met des sorts sur ses alliés. Donc c'est un support, plus simplement. Qui n'est plus du tout utilisé en tant que support. On se rappelle de tous les duos avec Nunu, ouais, c'était cheaté, etc. Vitesse d'attaque en plus, machin, tout le bordel. Il a pris un nerf et maintenant on ne le voit plus du tout, le Nunu, malheureusement. On va voir donc une botline Nunu Kate en face, Taric Graves de l'autre côté. Grosse combinaison, gros burst de l'autre côté. On va voir un Ekari dans la jungle, une Katarina au middle qui va pouvoir peut-être se feed avec peut-être des décals en bot lane ou en top lane. Et nous avons bien sûr une Elise top lane dans ma présence. 1 minute 30 de jeu. On va directement partir sur les wolves. Ah hop. Hop. Voilà, bon, on va l'aider comme ça. Ça sera peut-être mieux pour lui. Hop. Oui, voilà, pas de problème. Et Karim qui va finir les petits wolves. Ok. Quelqu'un te connaît en face. Eyelage, the French streamer, oh yeah, oh yeah, oh yeah, the French streamer. Oui, c'est moi, effectivement. Ah, tu m'as trouvé, la BG à toi. Bon, on va le laisser, il y aura normalement plus de soucis, on va poser la petite wardounette dans le tribush, ou on va poser là. Ouais, on va la poser là, ça sera pas mal. Hop. Allez, le petit poke nécessaire. On a fait le 1 en forme d'araignée, on a fait le A en forme humaine. Et puis voilà, on lui met déjà la sauce, allez, on lui remet un petit A. La petite auto-attaque derrière qui passe, tranquille. Et je suis à 2 CS pour le moment, donc c'est pas... Et surtout que j'ai pris un CS du golem tout à l'heure. Donc c'est pas top, actuellement. Je sais même pas si j'en avais fait déjà un CS. Bon,
Première gamme de la journée, les amis, hein, les cocos. Donc, commencez pas à flame. Hein. Je préfère vous prévenir direct. Si j'en vois un qui commence à insulter sur IRC, attention. Attention, j'ai le kick facile. Alors, boum. Ça, c'est bon. Ça passe tranquillou. On va attendre level 3 avant de repoquer un petit peu la personne. Bien sûr, s'il y a des auto-attaques à mettre, on va les mettre dans sa grosse bouche. Hop, voilà. Ah, merde. Oula, ok. Xingzao qui est pas loin. Donc faut que je fasse un petit peu gaffe tout de même. Il est dans les bushs. Et Karim qui est en train d'arriver. Oh merde, j'ai pas réussi à prendre le canon. Très dommage. Oh là là, je n'y arrive pas. Et pendant ce temps-là. Hop là. Alors, est-ce qu'il est low HP? C'est chaud. Ouais, toujours, hein. Xingzao qui a pris beaucoup de dégâts. Assez étonnant, pour être tout à fait franc avec vous. Karim qui est là. Ouais, j'ai vu. Ah non, bad choice, mon gars. Bad choice, complètement. Oh là là, j'arrive à m'en sortir, mais c'était chaud pour ma part. Quand même. Karim, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. En plus, il était vu avec les sbires. C'était très mal joué de sa part. J'ai pas bien compris l'intérêt de faire ça. Je suis à 10 CS, Jax est à 14. C'est la merde, hein. Non mais quel noob ce lège. Ah bah non, là je sais que tu me prends drôle. Prends gage du fait. Faut pas faire ça. Hop. Voilà. Pas de soucis ici. Allez, on fait l'élastique tranquillement. Peut-être qu'il a back, étant donné qu'il a fait le first blood, le Jax, hein, on est d'accord. On est d'accord. C'est relou. Il va prendre sûrement une cape de résistance magique pour me faire chier ou un truc comme ça. Hop. Et on va bientôt back pour nous aussi acheter des objets, les amis. Voilà, très bien, 23 CS. Il va sûrement revenir sur la lane maintenant. Ça push de mon côté. Donc c'est pas top parce que quand je vais revenir, il va avoir les sbires ici sous sa tour. Je vais devoir venir pour l'élastite. Donc ça va être relou, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas faire grand chose. Alors, on va prendre ça. Et on va pas prendre de ward, hein. On va se la jouer grosse balls. Et Karim qui est bot lane, attention, il y a le Xingzao maintenant qui counter gank. Allez, un petit stun, c'est bien joué. Et ça va faire le kill pour Ekarim. GG! Voilà. Buff ou cheval? Cheval. Et vous écoutez actuellement Shenmue, qui est une musique que je ne connais pas de jeux vidéo. Qui doit être sûrement de Shenmue. Oh là là, double buff, j'avais oublié ce problème là. Donc cap de résistance magique et pète d'Oran pour le Jax. Qui part. Il s'en va actuellement. Voilà, ça c'est bon. Ok, NP. On lui met un petit Arras. Il a juste sa fioline. Là, faut que je fasse attention moi quand même. Ouais, comme ça, par exemple. Parce que sinon j'allais mourir. Heureusement que je l'ai bien prevent et que je suis pas mort. Attendez, ah non merde, je suis mort. Merde. Ouais, ça se sentait en fait que j'allais me faire défoncer. Non mais c'est bon, j'ai redressé les manches. Et Karim. Yes. Please. Nous avons un petit problème sur la top lane actuellement. Problème de couleur. Non. On voit jamais d'animateur en vert. Et bah c'est pour ça que je suis le premier, les amis. Tout simplement. Le vert, c'est bien. Le vert, c'est cool. Le vert, ça vous fait penser à quoi? Si vous pensez à du lait, bah c'est pas normal. Pourquoi du lait? Non mais j'étais en train d'essayer de réfléchir qu'est-ce qui est vert dans la vie, mais en fait rien n'est vert.
Si, les fruits, genre les fruits verts, oui, les pommes sont vertes des fois, les avocats sont certains verts, je suis d'accord avec vous. Les bananes, oui, les bananes aussi, très très bien, très très bon sur IRC. Allez, bientôt level 6. Hop là. Quelques last hits. Hop, voilà, tu prends la race réglementaire par le syndicat. Hop, voilà, et on va utiliser une petite fiole. On va bien sûr warder. Et Karim, lui, va du côté de la jungle adverse pour, I don't know, peut-être aller voler le buff rouge. Ça serait pas une mauvaise idée. Oh, il a pas touché celui-là. Attention, c'est très très chaud, c'est beaucoup trop chaud. C'est beaucoup trop chaud. Et Karim qui a fait n'importe quoi encore une fois. Le vert porte malheur au théâtre, au ciné, à la télé. Non, il porte malheur au théâtre, au ciné, à la télé. C'est juste que le vert ne passe pas trop à la caméra. C'est tout. Et au théâtre, pourquoi? C'est puisque lors d'une première représentation d'une pièce dont je n'ai plus du tout le nom, en fait, il y avait un décor complètement vert, et ce décor a fait, enfin, non, a pas fait, mais la pièce de théâtre s'est terminée, en fait, en feu. Oui, les amis, le théâtre a cramé, tout simplement, et donc c'était la merde. Donc depuis ce jour-là, en fait, on dit que le vert porte malheur. Donc c'est à partir d'un décor de pièce de théâtre. Ok, donc j'ai pris Midlife avec juste un petit jump. Donc, ça fait plutôt plaisir à voir. Comme vous pouvez le constater. C'est plutôt sympathique. Allez, deux petits coups. Ah, c'est cool. Pareil pour là. Voilà, parfait. Parfait. Voilà. Ah, dommage. Et celui-là, on l'aura pas non plus. Je dis un petit essai, je me rappelle pas du tout où il est. Peut-être qu'il a bug, peut-être qu'il est toujours là. J'en ai pas la moindre idée, les amis. On va rester là, on va freeze un petit peu. C'est bien wardé sur un map. Pas mal de ward top lane, hein. J'ai pas envie de me faire regank ou quoi que ce soit, parce que sinon je meurs instantanément. Allez, double buff sur Jax. Les deux kills qu'il a pris font faire de lui vraiment un adversaire redoutable. Redoutable. Molière est mort sur scène en vert. Ok, très bien. Alors, non, mais non, c'est parce que le vert était fait avec de l'arsenic à l'époque. Du coup, quand on portait du vert, on avait de grandes chances de mourir. Ah, c'est pour ça? Bon, bah, moi j'avais entendu une autre... Une autre version. Une autre superstition existe à propos du vert, couleur du costume de Molière lors de sa dernière représentation. Alors c'était peut-être ce truc. Non, je vais pas mourir, ne vous inquiétez pas. Parce que de petit 1, je m'appelle pas Jean-Baptiste. Et petit 2, j'ai pas encore prévu ça. Et nous, animateurs de la Web TV, nous prévoyons l'heure de notre mort. C'est déjà programmé. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Ouais, petit poke. Petit poke sympathique. Ah. Hop. Hop. Ah, dommage. On a presque réussi à toutes les prendre. On a plus de ward dans la river, c'est dérangeant. Peut-être qu'il a back, notre ami, j'ai l'impression qu'il a back, donc on va essayer de push au maximum. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme musique, mais c'est vieux. C'est vraiment vieux ça. Bicycle quelque chose. Bicycle theme. D'accord, très bien. De Junichi Masuda. Go in shoes nose. Pokémon. Sérieux? Ah, c'était quand vous étiez. Oh, ok, pas de problème. Je vois le moment. C'était quand vous étiez sur votre vélo là. Comme un tard. Vous étiez dans la ville avec votre vélo et vous vous bloquez contre les gens et vous faites mais merde, qu'est-ce que tu fais? Dégage! Dégage, je dois passer! Je dois aller chercher des Pokémon. Ouais, j'ai un Pokédex et tout. Ouais. Ah, j'ai mon match de maître Pokémon. Ouais, effectivement. Ouais, mon permis A. Game Boy sur mon vélo. Alors vous devez revenir en forme arachnéenne, hein. Vous revenez plus vite évidemment. Ex-drinker, sceptre vampirique pour le Jax. Merde. Ça commence à faire du stuff, il va partir. Peut-être sabre vicié, je sens qu'il va partir sabre vicié.
Loi de frein avec vous, boum, voilà. Voilà, on a fait deux petits CS, 66 CS pour moi, 71 pour Jack, j'arrive à tenir la cadence. Mais c'est un petit peu difficile cette game, 95-16 pour le Graves, 91 pour la Caitlyn, donc pas forcément d'avantage ou quoi. Katarina est à 94 et la Lux est à 97, quelque chose comme ça. Alors, ça revient. Voilà, pas de problème. On gère le push. Et on fait que de farm, puisque de toute façon, on n'a pas d'autre solution dans cette partie actuellement. Allez, petit last hit. Ici aussi. Voilà. Voilà. Et voilà, parfait. On a tous. On les a tous fait. C'est une bonne nouvelle, ça. 77 CS à 77. C'est égalité. Ah, j'en ai manqué un. Il l'a pas manqué. 76. Merde. Je me suis complètement chié. Ah, bonne nouvelle ça, Graves qui arrive à reprendre un petit kill. J'espère qu'il va pas mourir après. Non, normalement ça devrait être bon. Et même ça fera un doublé. GG. GG, Graves. You're the one. The only one who carried this game. You can't carry, Graves. The counts. We are the only hope of the fight de l'invocateur. Petite potion. Petite arras. Oh. Oh merde, je me suis chié, dommage. Je me suis chié et ça je n'aime pas. Hop, 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 hop. Voilà, il a pris un petit coup de tower en plus. C'est pas ça qui l'empêchera de me dive à un moment. Mais pour le moment, ça me permet de tampon un petit peu. Donc si il vient sur moi, évidemment, je vais essayer de me mettre en forme arachnéenne et d'appuyer sur mon E. Voilà, très bien. Tu as pris un petit peu la sauce parce que tu étais un petit peu trop prétentieux. Est-ce que tu veux revenir bientôt? Comme tu veux, mais je pense que ce n'est pas une bonne solution pour toi. Après, comme tu le sens. Très bien. Très bien. Très bien. Bon bah je m'en vais hein. Parce que sinon je me fais sauter dessus et je meurs. Donc actuellement ce n'est pas une bonne solution. Donc voilà. J'ai réussi à esquiver les trucs quand même. Ce qui était quand même une bonne nouvelle, pour être tout à fait franc avec vous. Mais bon. C'est pas comme ça qu'on va win la game. Oh, le flash de la part de Jax. Et la tour top qui tombe, les amis. Merde. Il va pouvoir décaler avec ses alliés, ses coéquipiers. Ça, c'est relou. Et voilà, je commence à le dire. Lux a quand même bien fait son ulti. Oui, on est d'accord. Et vous avez vu, j'ai réussi à back, car j'ai pas grid les derniers sbires sous la tower ou des trucs comme ça. Hein. Ouais, gros back de ma part. J'essaye de pas feed le Jax non plus, on est d'accord. Graves, qui a pris son troisième kill de la partie, quatrième même. Et bah ça, ça fait plaisir. Et bah ça, c'est cool. Et ouais. Allez, on va essayer de CS tout ça rapidement. Niveau des poches, la Elise, normalement c'est cool. On prend une petite tower en plus. C'est nice. Par contre, il va falloir faire attention pour le prochain Drake, à mon avis. Va falloir y aller. Il va falloir que je prenne la tower top lane. Katarina qui fait un kill sur Nunu. Attention, backé. Ça pourrait être un nom, ça. Backé. Eh, backé, quoi. Oh, comment? Tu t'appelles Backé Mbala, quoi. Hop là, le petit CS ici aussi. Jax et bot lane. On va donc continuer de push. Pour être franc avec vous, j'espère qu'il fera rien jusqu'à ce que je puisse prendre la tower top. C'est bon, j'ai pas l'impression qu'il fasse grand chose là. Hop. Voilà, 113 CS contre eux, 103 pour Jax. Elise push top. Jax ink top. Très bien. Et bien, on va s'en aller alors. Oh là, encore une fois, je me suis un petit peu chié. On va mettre le petit A, voilà. Ah, ça commence à lui faire mal, c'est une bonne nouvelle. Ouais, voilà, c'est déjà ça. On a réussi à prendre le kill sur Alex. Elle a fait n'importe quoi.
Bon, j'ai utilisé l'ignac, donc c'est cool quand même. Ça me fait un kill pour un. Le point négatif, c'est que c'est Jax, un truc qui peut snowball, qui peut hard carry à fond, qui prend le kill juste derrière moi. Je pouvais pas faire grand chose d'autre. Hein. Je me suis dit que ça allait être le meilleur trade possible. Petite Giant Belt, oui, évidemment, évidemment. La petite Giant Belt qui fait plaisir. C'est pas worth it du tout. Bah, c'est plutôt. C'est worth it. Hein, de... Oui, I'm worth it. Je ne suis pas mort. Et j'ai push. Et on prend un Drake. Parce qu'ils étaient deux top. Maintenant, c'est worth it. Go Sunfire, me dites-vous. Oui, oui, je peux partir Sunfire. C'est un choix disponible dans ma besace. Nous allons peut-être faire ça. 126S pour le Jax. Et Karim qui vient pour essayer de m'aider. Graves qui reprend un kill sur Xing Zhao. Non, non, please. Fais pas ton relou. Fais pas ton relou. Hop, hop. Et voilà, c'est qui fait tous les CS. C'est Bibi. C'est Bibi. Bon, still alone sur sa top lane. Comme un vrai Darien. Enfin, sans le skill. Hein. Et sans le popo de fortitude. On va se diriger vers la top lane. On va continuer de push. La tower est mid HP à peu près. Il faut de la défense ici, Karim. Arrête de faire tes wolves. Et va défendre la tower mid lane. T'auras plus XP, plus de gold en plus. Que de faire tes petits trucs là. B, 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 genre hard. Ah, la Lux qui a tué Katarina en plus. Jax qui est en train de décaler sur le taré. Taré qui est pas... Full HP non plus. Hop là. Voilà, c'est bon. On va réussir à la prendre cette tower. Ça fait plaisir. Allez, dépêche-toi. Enfin, j'ai d'autres trucs à faire, moi, après. Hop. Bah, c'est bon. Le canon. Bah non. Le canon. Bah non, c'est pas bon. Oh, oh, oh. Jax, à mon avis, qui est pas dans une très bonne posture. En 2v1, c'est pas quand même God. Ah si, c'est God, déjà. C'est déjà God. Donc ça c'est relou. Et Karim Tariq, ouais, vous allez mourir du coup. Nunu qui a pris une tower. Et à mon avis c'est en train de décaler sur moi. On va laisser CS un petit peu, on va laisser deny un petit peu tout ça, level 13 pour moi-même. Jax level 14, va falloir essayer de le contrôler au maximum. Eka reported. C'est vrai que Ekarim est un peu tard. Hein. Hein, je crois que c'est un move suffisant pour qualifier ce Ekarim. On va refaire une Jam Bell sûrement. On va peut-être partir sur un Riley aussi. En tout cas, on va refaire une Jam Bell. Et on va partir donc les Homeguard parce que voilà, j'ai envie de revenir fast moi. Non mais les Homeguard, un achat très utile. Je l'adore. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, vous avez regardé la conférence de Sony hier. Eh bien, moi aussi, je l'ai regardé. Et j'ai été très content puisqu'on a pu voir la nouvelle PlayStation 4 qui est maintenant de la couleur de mon t-shirt. Je sais pas si vous l'avez vu hier, qui est très sympa. Vous pouvez trouver les photos sur le net, aucun problème. Non, je rigole, hein. On a attendu pendant 3 heures et on n'a pas vu une seule photo de cette nouvelle console. Donc complètement vénère, donc complètement relou, donc super relou. Et voilà, toi tu t'es fait avoir. BG, hein. Grosse Katarina du coup. 9-9. Et c'est encore Jax qui prend un kill ? Non, Jax prend un petit assist cette fois-ci. 2600 HP pour moi. Bah ça va. Ça va, ça va. On a dû faire mon top lane. Hop là. Ouais, toi t'as envie de tout, mec. Ouais, je vois bien, je vois bien. Allez, on va aller top. On va mettre une petite ward net tout de même ici. Et puis une autre. On va dire direction entrée jungle. Et entrer le jungle. Alors pourquoi double jungle? Bah parce que tout simplement j'avais pas assez de gold pour faire un item aussi bien. Je pouvais pas finir un seul item, que ce soit une Warmog ou une Sunfire. Et au lieu d'acheter une Chain Vest qui ne me sera pas utile par exemple contre Lux ou contre Jax à 100%, puisqu'il fait des dégâts magiques quand même, je vous rappelle Jax. Je sais pas si c'est en majorité, mais il fait masse dégâts magiques. Et bien je préfère faire une Giant Belt, voilà, qui sera utile contre tous les héros. Et ça sera mieux que d'acheter par exemple une Chain Vest. À 720, il faut acheter une Giant Belt à 1000. Ah, Graves qui vient de mourir. Bon, on va retourner peut-être middle, puisque là, ils vont prendre la tower. 9 à 11, doublé de la part de Nunu. C'est la merde. Eka, HP. Et il est parti sur Gantlet Givrant. Oh la vache. Ah, faut pas mourir. Katarina, 144 CS. Il faut pas mourir, j'ai dit.
Oh là 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 là. Et Karim qui va pas pouvoir s'en sortir. Oh là 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 là. N'importe quoi. On se fait super dive par le Jax. Il a déjà sa Triforce avec Zrinker. Pro EK does it. Et ouais, c'est vrai que Karim n'a pas été top 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 top. Graves qui arrive à tuer Xing Zhao, c'est une bonne nouvelle. Il a l'air d'être farmé. La danseur fantôme BT. Bah, c'est à qui elle avait été, mais tout de même. Ah, le flash of stone là aurait été un petit peu prétentieux, je pense. Allez, 10-14. Elle est remontable, elle est gagnable. Même si je suis à 1-3 actuellement, ce qui n'est pas bien. Oh là là, il a pris cher le Graves. Faut pas qu'il reprenne un truc comme ça, faut pas qu'il se fasse prendre par derrière. Non, faut pas qu'il se fasse prendre. Alors, sur quoi on va partir maintenant? Encore un petit peu de HP, Warmog. Warmog, Sunfire. Ouais, ouais, on va faire... Je pense qu'on va faire ça, hein. On prend tellement la sauce. Ils ont des compositions qui peuvent bien nous burst. Mais sur du long terme, puisque quand même, vous avez le stun de Jax, vous avez les contrôles de Lux, etc. Si on se débrouille bien, on peut bien tempo les dégâts tout de même. Et après, ils nous font plus grand-chose. Il y a Xing Zhao, il y a... Nunu et Caitlyn, ça fait des dégâts de toute façon sur la durée, même si Nunu c'est pas top, hein. Niveau des dégâts, bah oui, c'est un support de toute façon. Oui, bah oui. Et on va aller prendre ce buff bleu. Ça, c'est plutôt pas mal ça. On a un buff bleu plutôt free. Allez, 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 mon pépère, voilà. Oh, on fait soigner ses oreillers, c'est mignon. Allez, on va tourner en mid lane. Le Drake qui est en train d'être fait pour notre équipe, c'est une bonne nouvelle, mais Xing Zhao est là pas loin. Là, tout le monde arrive. On arrive à faire le Drake. Est-ce qu'on va réussir? Non, tout le monde s'en va, c'est très bien, très très bien. Pas besoin de plus. N'overcommitons pas. Oui, bah c'est bon, bah je back. Eh hey, oh, comment? On va commencer à me. Hein, c'est beau, hein. Moi je suis le joueur professionnel. Hein, je gère la partie. La petite fiole, on va peut-être la vendre. Hein. Je sais pas, ouais, on va peut-être la vendre. On va acheter un petit truc, un petit peu. Mais non, on fait une chain vest. Ouais, pour faire la Sunfire, comme je vous disais tout à l'heure. Parfait, parfait ce build, on est d'accord. Achète de la résistance magique aussi. Oui, bah alors, résistance magique, je peux pas non plus. Je peux pas tout prendre. Hein. Je tiens à le signaler tout de même. Est-ce que vous voulez aller faire le Nashor, Caitlyn et bot lane? Est-ce que c'était ça qu'ils avaient ping? Elle a IE, elle est à combien la Kate? Elle est actuellement à 2-2-2, donc elle est pas si mal, hein, 3-5 pour Xin, 2. Oh merde! Oh merde, 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 j'ai fait vraiment... Oh, oh là là, j'ai ruiné l'e-sport. J'ai pas regardé, je crois que c'était un allié. Non, mais je croyais que c'était un allié qui était à côté de moi. En fait, c'était pas du tout un allié, c'était Xing Zhao et Nunu. Je regardais l'IRC, tout simplement. 12h46, Twix qui arrive dans le studio. De plus en plus jouer. De plus en plus tôt, actuellement. C'est assez marrant, de la part du Twix. Ouh, et Karim qui fait un ulti correct, qui arrive à tuer Nunu, mais c'est que le support, Nunu, dans cette game. Donc c'est bien mais pas top, 11 à 16, le problème c'est le Jax actuellement, Giant Bell maintenant pour lui, 3k HP, il va partir sur un G, après ça va être le bordel. Alors attendez, est-ce qu'on va pouvoir catch quelqu'un? Ça a pas l'air d'être bien ça, 1-4 pour moi, cette mort là elle est pour moi à 100%, je suis d'accord. Elle n'a pas vu, j'étais en train de regarder IRC en même temps et j'ai fait what the fuck. Attends, il y a une Lux qui est complètement free et tout. Hop. Bon, on a manqué plein de farms tout à l'heure. Bon. Mais on a quand même pris un kill, donc c'est quand même worth it. Ouh, EK useless build, really, really. Bah non, c'est un Ekarim de base de solo queue, hein. Comme ça que ça se build. Avec des items qui font des dégâts. C'est quoi cette musique? C'est Civilisation apparemment. Eh bah je ne pensais pas. Pour être tout à fait franc. Oh
On peut aller acheter Assassin's Fire, on peut aller acheter même peut-être Tower Mog. Non, pas encore. On achètera Assassin's Fire, puis après, on fera la petite Warmog. Oui. Regardez, on va même la commencer. Hop, voilà. Il nous reste plus grand-chose, 1175 gold pour avoir Assassin's Fire. Plutôt pas mal. Allez, 180 CS, 240, 805 pour Jax. Alors, je l'ai pas fini et tout. J'ai dit tous les SS, toutes les choses comme ça. Mais c'est pas pour ça que ça s'est bien passé. Pas forcément pour ça que ça se passe bien, hein, in-game. Il a bien des kills, il a pris les kills, il a pas donné d'assist. C'est lui qui prenait les kills et il a bien raison, hein, avec un Jax. Oh là là, oh là 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 là. C'est dérangeant ce qui se passe là. C'est relou, c'est relou. Attention, attention les amis. Faites bien gaffe. Tetris! Bien sûr, vous l'avez tous trouvé. Ouais, mais c'est un remix. Ah, je suis bientôt level 16, je voudrais bien l'être avant de faire un fight. Oh merde, je me suis chié. Dommage, on aurait pu le poke un petit peu plus quand même. On aimerait bien être level 16, comme je vous disais. Katarina aussi, je pense. Oula, oh là là, et Karim qui est parti aussi. À fond les ballons, et Karim, vas-y, vas-y, fais-toi, on va se faire dive maintenant. Oh là là, le bordel, oh le bordel, n'importe quoi cette game. N'importe quoi, n'importe quoi. Report et Karim, quoi. Report et Karim. Now I don't report you, nous dit Gringzao 12-19. Karim qui aura fait de la merde sur toutes les lanes apparemment et qui... 187 CS le mec. Il aura farmé sa jungle comme un taré par rapport au Gringzao à 97 CS. Vous voyez que c'est quand même une grosse différence. Et on ne pourra pas win cette game. On ne pourra pas la win. Je vois pas comment on peut la win. Attendez, comment on fait ? Ah oui, oh, on va faire comme ça. Attendez. Bon, ok, ma démonstration de Tetris n'était pas correcte. Elle n'est pas validée. Ce n'est pas validé, c'est bon. Les 500 personnes sur RC sont d'accord avec moi. On ne le refera plus, ça. Le Karim est Silver 2 apparemment. Ah bah putain! Pourquoi je joue avec des gens comme ça? J'ai followé. Ça n'a pas de rapport ça. Et Karim qui me prend tout mon farm. Merci, ça fait plaisir. Vas-y. Pink, Nashor. On peut essayer de toute façon. Oh là là, ok. Nashor a été fait. Très bien. It's gone, lol. Ok, bah excusez-moi. Je sais pas exactement ce qui se passe moi dans la vie. Je suis en bronze. Les Karim, je le pète. Maybe. Oh là là. Ouah, le bordel avec lui et tout là. Tout le monde en train de recall dans mon équipe. Ça push la bot lane. Voilà, j'ai pris ça. Histoire de se dire bon. Bon, c'est correct quand même. Graves qui est en train de recall. Ok, très bien. Oh, on arrive à tuer Xingzao, mais après c'est la merde. Katarina est morte. Graves qui a Dashin. Ika qui prend les dégâts un petit peu. Jax qui repart. Oh là là, il arrive à se sauver, Karim. C'était chaud, hein. C'était chaud, on est d'accord. Bon, bah moi j'ai réussi à faire un kill, mais je me suis fait avoir, hein, je me suis fait catch à la base. Ouais, faut faire gaffe un petit peu. Premier inhib qui tombe. 24 secondes pour mon repop. On peut essayer de faire quelque chose avec mon repop, mais sinon ça va être bien trop difficile. Ah, Jax qui a combien? Jax est à 11-0 actuellement. Fureur, Anduin, Force de la Trinité, Ex-Drinker, Sceptre Vampirique, un stuff correct! Sunfire sur Elise, bof, bah ouais, mais je voulais un petit peu de sustain, mon pote. Ouais, je vais avoir Mog maintenant,
Ah, je me suis dit de toute façon les dégâts là, je sais pas si on les fera. Donc autant survivre hein, dans cette game. T'as vu déjà ce que j'ai pris. Avec mes 3K HP. Oh, peut-être le petit stun par deux. Ah non, tant, dommage. On va aller dépush la bot lane, puisque c'est en train de push à fond. Et une nouvelle musique devrait bientôt arriver, ne vous inquiétez pas. Avec The Village de Phil Vacher. Oui, ça s'appelle Phil Vacher, il fait ce qu'il veut. C'est son droit alimentaire. Niveau du farm, on est largement devant. C'est peut-être pour ça qu'on peut rester un petit peu dans la game. Niveau des golds, ça doit se sentir bien sûr, puisque on n'a pas beaucoup de towers, on a juste les trois premières. Eux, ils ont quasiment toutes les towers en face. Donc bon, voilà, d'accord. Mais niveau du farm, on est devant. Et qui dit plus gros farm, dit plus gros farm. Tout ça. Allez, on va faire les gogo, les soso, les golems. Et c'est en train de push la mid lane apparemment. On va packer tranquillement. Peut-être acheter des popos. Je ne sais pas. On va acheter Landry quand même. Un petit peu de résistance magique. Allez, on va partir résistance magique. Et on va faire un GA. Non mais ça peut être pas idiot de faire un GA, de partir vraiment full tanky. Ouais, j'ai envie de partir comme ça. J'ai envie de laisser le Graves et la Katarina faire les dégâts dans cette game. De toute façon, il nous faut un plan et je crois que c'est le plan qui me vient à l'esprit là. Xing Zhao. Après un petit 400 de dégâts, ça fait plaisir. Voilà, un petit plus 25. Aussi, ça fait plaisir. Voilà, et Karim qui est parti. Eh oui, son ulti en. Ulti en défensif. Ah, bah oui, bah c'est nul, hein, du coup. Alors qu'il pouvait s'en sortir en plus, je pense. Hop là. Ah, le Xing Zhao qui est overcommit. On va bien jouer l'interruption. Bon, la part de Ikarim, par contre. Et voilà, on arrive à pas trop mal jouer. Ah, c'est pas mal. Non, ils sont pas en train de me suivre. Je vais arrêter mon délire. Et utiliser son flash, c'est une bonne nouvelle. Bon, 17-23. Ils ont mal joué. Ils ont mal joué, Xing Zhao qui s'est donné complètement. Allez, Graves, va nous CS tout ça. T'as ton IE maintenant. C'est bien. On va défendre la bot lane. Le Nashorn ne va pas encore hip-hop. Dans 2-3 minutes. Ça va peut-être nous permettre de pouvoir reprendre nos inhibs. Ce qui serait une très bonne nouvelle. Je dois vous avouer. Allez. Alors, on attend encore un petit peu. Sunfire, ça fait quelques dégâts. C'est sympathique. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Bring the noise. Très bien. Et ben on va faire ça. Et Karim qui follow la Lux. Non, barre-toi. Barre-toi genre méga fast. Commence pas à faire des bêtises. Non, parce que toi tu fais des bêtises depuis le début de la game. Je te vois, tu fais des bêtises. Xing Zhao lui aussi fait des bêtises en face. 1-5-13. Iron Solari. Vrigel Warmog. Baron Soon. Me dit les coéquipiers. Pourquoi pas. Bring the Noise, c'est une émission sur WeFM. Non, mais on va pas commencer à parler de WeFM. Non, mais je pense que tout le monde est d'accord sur IRC. On n'est pas là pour faire ça. On n'est pas là pour. Oh merde. Ouais. Je croyais qu'ils avaient go. Hop. La Caitlyn, qu'est-ce qu'elle a comme stuff? Elle a moins de stuff, mais elle a quand même du bon stuff. Hein. Elle a 3 items, la Whisper, BTIE si je me trompe pas. Non, IE, Danseur Fantôme, la Whisper, elle est partie sur une BT apparemment. Et voilà. Et Karim qui refait de la merde.
Voilà, le bon jumel qui a touché Graves. Ils ont le deuxième Nashor, très bien. Et bah c'est pas grave, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. On va faire avec, hein. On va faire avec. Oh, il y a une tower qui vient de tomber. Bad news, et l'inhibiteur qui vient de repop. Oh là là, je vais pas avoir le temps de défendre. Faut aller. Xingzao qui commit encore une fois. C'est pas mal. Voilà. Oula, fais gaffe toi. Hop là. Oup, 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 oup. Xingzao qui meurt, donc on est plus que 3. Allez, c'est du 2v2. Ah, c'est pas trop mal. Allez. On a réussi à esquiver. Oh là 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 là, le bordel. Je meurs et Jax qui est en train de pusher la tower. Merde. Fait de la merde. Qu'est-ce qu'il foutait lui, Karim? Il était loin encore, non? J'ai l'impression qu'il était loin. Ah, j'ai pas très bien joué. La Caitlyn, maybe. Et voilà, la Caitlyn qui tombe. C'est plutôt pas mal. Le Jax, peut-être. Oh là là, oh là là. Et non, ça ne suffira pas pour tuer le Jax. Tout tanké. Tariq qui vient de revenir. Mais c'est dommage. Katarina aussi. On va pouvoir défendre encore une fois. Mais je sais pas si ça sert encore. Ah, dommage, hein. Dommage. Et ça continue, la Katarina. Oh la Katarina. Et la Lux qui fait le taf en cette game. Ah, Katarina qui doit être un peu vénère. Ouais. Lux, Jax en train de revenir. C'est en train de push les towers. C'est en train de push un petit peu tout et n'importe quoi. Stun-moi ça. Dépêche-toi. Oh là 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 là. Et voilà, ça revient évidemment. Et moi je suis tout seul maintenant pour défendre tout ça. Allez le Jax. Et non, ça sera pas possible. GG, well played. Merci Lej. Donc je ne sais pas pourquoi. Un sniper donc en face. Un petit peu dommage. Je vous recommande de pas me snipe, c'est mieux quand même pour l'émission quand même. 27 points les amis, 27 PL moins 18. Un peu relou, donc comme vous le disiez, Silver 2 pour le Karim. 257 de farm, 4-8-5. Bah moi je suis désolé, j'ai pas fait une mauvaise game, mais le Jax a snowball sur les autres lanes. On était à 0-1 sur la top lane, pas de problème, 1-0 pour le Jax. C'est rien passé d'extraordinaire, on a fermé des deux côtés, on n'est pas mort, etc. Puis après, il a commencé à faire du kill, et tout ça, parce qu'il a réussi à prendre ma tower un petit peu plus en avance que moi. Oui, avant moi. Et donc du coup, ça m'a mis dans la merde. Il est 1h01, les amis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de page de pub. On va en faire une. Le petit cut VOD, on se retrouve pour le clash de musique. À tout de suite sur BMTV2. Grosse musique encore une fois aujourd'hui. À tout de suite.